Allô, ouais, c'est moi, comment tu vas? Bah moi ça va super comme tu peux l'entendre, je voulais juste annoncer la grande nouvelle, c'est que je vais me lancer sur YouTube. Voilà, non, je n'ai pas honte, ouais, c'est super cool. En plus je me suis acheté le matériel, mais qu'il faut, ouais, un truc de malade. Je me suis acheté une caméra, mais elle est vraiment top. Même si j'ai payé le prix fort, ce serait rentabilisé avec l'argent que j'aurai sur mes vidéos. Bien évidemment, on gagne beaucoup d'argent avec YouTube, oh, bah oui. Et je me suis acheté un éclairage, mais qui m'a coûté une blinde aussi. Mais c'est pas grave, c'est rentabilisé comme la caméra en fait. Et tu verras, je ferai des vues, des abonnés de malades. Donc du coup, ma première vidéo, je t'enverrai le lien, d'accord? Comme ça, tu pourras t'abonner. Voilà, je te remercie, bisous. Ça va être tellement cool comme aventure. Oh, ça va être tellement simple à faire. Bon, allez, je vais me lancer pour ma première vidéo. Est-ce que je préviens mes proches? Je sais pas. Non, je vais me taper à la honte. Non, c'est vraiment pas une bonne idée. Bon, maintenant, je vais filmer avec quoi? Avec mon téléphone, qu'est-ce que ça donne? Ouais, ça a l'air pas mal. Et j'ai de quoi me faire un petit trépied. Ouais, bon, on va faire avec. Bon, maintenant, où je vais filmer? Ici, il fait pas beau. L'éclairage n'est pas top. Bon, je crois que j'ai pas d'autre chose. Je vais aller filmer dehors. Oh là là, ça va être une galère. Bonjour vous tous, voilà, je me lance sur YouTube. Ça y est, depuis le temps que j'y pense. C'est plus une... C'est... Bah... 1, 2... Alors, faut bien que je trouve des idées de vidéos. Des trucs qui font le buzz. Ah ouais, une story time, ça marche bien. Story time. J'ai vécu un cambriolage avec violence et j'ai failli perdre la vie. Qu'est-ce qui marche bien aussi? Je montre mes seins. Allez, s'il y a trop rien à montrer, je vais quand même les montrer. Comment ai-je vécu ma première fois? Allez, je vais parler de ma première fois. Oh non, mais en fait, ce qui marche sur YouTube, j'ai compris, c'est le sexe et la violence. Je vais m'inventer un bon petit personnage et je vais m'inventer une vie. Ah, ça c'est le top. S'inventer une vie, très important sur YouTube. Alors maintenant, faut trouver une idée de vidéo. Qu'est-ce qu'ils font les autres? Oh non, mais c'est que des vidéos exprès là pour faire le buzz. Non, ça m'intéresse pas. Je veux pas faire le buzz, moi. Je veux juste faire quelque chose d'original qu'on n'a jamais vu sur YouTube. Bon, bah c'est pas sur YouTube qu'on va trouver une bonne idée de vidéo. Je vais réfléchir par moi-même, c'est tout. Ça peut-être. Oh non, c'est nul. Non, mais ça t'est déjà vu plein de fois. J'irais bien manger un truc, moi. Ça me donnera peut-être cette inspiration. Ah, tout est prêt, c'est nickel. Merci, assistant. Parce que oui, une youtubeuse a un assistant pour tout mettre son matériel, c'est bien connu. Assistant, la lumière n'est pas allumée. Non mais sérieux là. Ah là, c'est vraiment n'importe quoi. Bon, le réglage a l'air pas mal. Merci assistant, mais la prochaine fois, faut la penser à la lumière. Hein. Je vais faire la fille hyper sympathique et pas du tout hautaine. Bonjour vous, c'est Tite Caro, j'espère que tout va bien pour vous. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter, liker, partager pour que je touche plein de sous. C'est bien connu, pour être youtubeuse, voilà, il faut gagner plein de sous, oui. Donc il faut aimer, liker et partager la vidéo, sinon je touche pas mon pactole. Je vais pas te dire ça, tant pis. On se retrouve du coup dans une prochaine vidéo et j'espère que ça vous a plu. Encore une fois, je vous fais des bisous et ciao. Bon, voilà, je pense que ça a été pas trop mal. Là, je vais juste faire la vidéo, je vais la poster comme ça. Je pense que ça devrait aller, il n'y a pas besoin de couper au montage. Ça a l'air nickel, super. Bon, assistant, faudra tout manger maintenant, hein, d'accord? Bon, il n'y a plus qu'à tout préparer, tout ranger, parce que c'est le bazar, il n'y a rien qui est fait, il faut que j'installe ma caméra, c'est le bazar, je vais tout mettre derrière, et hop, en plus c'est le bazar, mais au moins ici c'est rangé. On prépare le décor de youtubeuse, oui. Ah, mais voilà, il n'y a plus qu'à mettre la caméra, c'est bon. Ah, mince, j'ai plus de batterie. C'est pas vrai, il faut que ça arrive toujours à ce moment-là. Toujours avoir une batterie de rechange, c'est hyper important. C'est conseil. Ah, j'arrive pas à me régler, c'est pas possible, la caméra n'est pas droite. C'est pas droit? C'est quoi ce décor penché? J'arrive pas à mettre droit la caméra. Ça a l'air d'être bien. On va y aller. Attention. Bonjour vous, c'est Tite Caro. J'espère que tout va bien pour vous. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo.
terminé pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. En tout cas, n'hésitez pas à partager, à liker, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo, je vous fais des bisous et on se dit à bientôt et prenez soin de vous, ciao. Bon, voilà, au bout de 2 heures de temps, j'ai fini. Maintenant, je vais m'atteler au montage, sinon j'aurai jamais fini. Bon, je rangerai ça tout à l'heure. Allez, maintenant, il n'y a plus qu'à, j'ai filmé. Cette vidéo-là m'a l'air plutôt pas mal. Je crois que je vais prendre ça, puis je vais le mettre directement sur YouTube. On va faire le montage, de toute façon, il n'y a pas besoin de faire le montage. Il y a le terrain qui est là, donc ça va apporter de l'argent. Donc je vais juste uploader ça sur YouTube, et puis ça ira. Hein, pas besoin de montage, ça va aller tout seul. Je vais aller sur YouTube tout de suite l'uploader. Ça ira plus vite. Bon ben voilà, ma vidéo elle est filmée. Parce que cet ordinateur il bug encore. Hop, on regarde le logiciel de montage. Qu'est-ce que c'est long? Ah, ça y est. Qu'à la mettre sur YouTube. 5 heures ça a pris. Ouh. Allez, je laisse charger et puis ce sera bon. Bon, comme je disais, je vais juste l'uploader. Oh, 3 minutes, moi c'est parfait. Je vais attendre un petit peu et puis hop, je le mets tout de suite. De toute façon, plus ça va vite, plus les gens sont contents et plus j'aurai de sous. Donc je vais le faire tout de suite. Hop, voilà, nickel. Bon, maintenant que j'ai fait mon montage qui m'a pris du temps et vraiment du travail, je vais aller uploader ça. Hop, je vais juste le mettre là. Quoi, 5 heures? 5 heures pour 3 minutes? Mais c'est une blague. J'ai plus qu'à aller me coucher. Hein? 5 heures. C'est incroyable. Ça fait 3 jours que ma vidéo est en ligne. Je vais aller voir combien elle a de vues. Alors, elle en est... Waouh, 113 000 vues en si peu de temps. Oh, franchement, c'est le top, c'est le top. Oh, YouTube, je vais gagner plein de sous, plein de sous, c'est certain. J'allais voir ma dernière vidéo, combien de vues elle a fait. Donc, ça fait 3 jours qu'elle est sur YouTube. 95. C'est pas avec ça que je vais réussir à faire quelque chose. Je suis sûre que ma vidéo avec tout plein de vues, là, elle m'a fait combien d'argent? Plein de petits billets de bébé là. Ah, j'en suis sûre. Waouh, 1000 euros. C'est vraiment super. Vraiment, avec YouTube, on peut gagner sa vie. C'est incroyable. Oh là là, je kiffe. C'est tellement simple de faire tout ça. J'ai rien fait et je gagne plein de sous. C'est génial. Tiens, je vais aller voir par curiosité ma vidéo qui a plus de vues, combien elle m'a porté en argent. 11 euros. Bon, c'est pas avec YouTube qu'on peut gagner quelque chose. Hein. 100 000 vues, 11 euros, bah merci. Ça fait pas cher la vue. Hein. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait de vidéo attente versus qualité. Je crois que ma dernière vidéo, c'était sur le chômage. Je vous mets en barre d'infos si vous voulez, ou dans le petit, je verrai. Bien sûr, cette vidéo est à prendre au second degré. Quoique, il y a des choses vraies, faut l'avouer. J'ai fait cette vidéo par rapport à ma vidéo Mon Corps sur YouTube pour voilà, dénoncer un petit peu ce côté-là de YouTube et soulever des choses que vous pensez réelles alors que c'est pas vrai. Vous pouvez voir, j'étais hyper transparente avec vous. Je ne gagne pas des 1000 et des 100 avec YouTube. D'ailleurs, j'ai été démonétisée et j'ai redemandé d'être monétisée, mais ça ne s'est toujours pas fait. Bref, bien sûr, il y a des côtés positifs sur YouTube. C'est que je peux, par exemple, exercer ma passion qui est le montage vidéo. J'ai fait des superbes rencontres et voilà, je vous fais rire, je vous fais sourire, je vous divertis et je peux vous aider sur certaines choses, notamment par exemple sur la confiance en soi. J'avais fait une vidéo, voilà, sur plein de trucs comme ça, sur l'amour. J'avais discuté un peu avec vous
sur mon expérience, etc. Donc voilà, ça permet de vous aider, de vous faire sourire, de vous divertir, et pour moi c'est le principal. Surtout si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et partager, non pas pour avoir des sous, hein, parce que je ne suis plus monétisée, enfin je ne suis pas encore monétisée, j'ai été démonétisée donc j'ai refait une demande, bref. Voilà, passons. C'est vraiment pour me faire connaître parce que voilà, je bosse beaucoup, beaucoup, beaucoup sur mes montages et sur mes vidéos. Pour vous dire, celle-ci de vidéo, j'ai commencé à la tourner à 10h30 et là, il est midi moins 10. Donc voilà, vous voyez déjà, ça met beaucoup de temps à filmer. Et je pense qu'au montage, là, on est vendredi. Je crois que samedi, à 23h59, j'aurai fini. Mais voilà, je me donne beaucoup pour vous, pour faire des vidéos de qualité et qui vous divertit. Mais généralement, je mets entre 3 et 5 heures pour faire un montage lorsqu'il est simple. Mais lorsqu'il est complexe comme celui-ci, je peux mettre jusqu'à 12 heures, comme ma vidéo sur le quiz interactif. Je vous mets aussi en barre d'infos si vous voulez aller voir. Mais voilà, après, c'est votre choix. Si vous voulez vous lancer sur YouTube et pas faire de montage, je vois tellement de personnes qui font ça et je ne supporte pas, je n'arrive pas à regarder les vidéos. Mais voilà, c'est chacun ses choix, c'est chacun ses goûts, faut les accepter. Mais voilà, vous faites comme vous voulez. Si vous avez envie de vous lancer sur YouTube, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez que je vous fasse une petite vidéo sur mon expérience YouTube. Sur ce, je vais vous laisser. Je vous fais des bisous, passez un bon dimanche et on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Et faites attention à vous, bye.